Non, ça nous a parlé à la, mes amis. Nous connaît qui gros problème qui gagne en République Dominicaine. Actuellement, là, m'a parlé ensemble avec vous là. Gagne un paquet de monde qui pas qu'à marcher, qui pas qu'à mener petit à l'école. Enfin, bagaille compliqué. Eh bien, nous allons faire un petit parler ensemble avec vous. T'allez comme ça. L'autre information pour qu'on ait mes amis concernant Premier ministre Garry Conille, lui parlait sous question gang qui a fait ça yo vle. Alors, gen yon pile moun qui a posé tête yo question, yo dit comme ça que yo poko jam comprendre PM Garry Conille. Eh bien, nous pral parler parce que li fait une gros déclaration. Mais pas oublier, jodi an, c'était installation yon nouveau président nan tête CPA. Bagayo en pile mes amis. L'autre information nous pral parler ensemble avec vous, c'est un gros déblosay qui pété dans Miragouane concernant cérémonie doyen yo t'a fait. Alors commissaire Muscadet était présent, nous pral garder comment ça t'est déroulé parce que nous connaît commissaire Muscadet lui-même dans juridiction là, nous connaît qui est lié déjà mes amis. Et bien mes amis, ou pral garder exactement comment ça t'est. Nous connaissons, faut qu'on dise nous bonjour ou bonsoir. Non, bon, ça me pas connaît qui côté ou regarder nous, mais la seule chose, si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec Chanel, ça, qui sont abonnés. Lors fin abonné, t'aimes dire, ou toujours songer pour poser cette cloche là, ou retirer que nous mettons sur tout, ou qu'on pour qui ça, chaque fois nous mettons une vidéo, la monter sur téléphone. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec information, nous a parlé de ça qui t'est passé pour son déa actuellement là mes amis, gen en pile moun qui a souffri, OK, yo l'hôpital, yo a pran soin, ça qui gen temps en batte, bagay yo vraiment grave parce que nous connaît exactement qui massacre nèg yo te vinn faire pour son dé. Et bien Premier ministre Garry Conille fait connaître que li pap jam kite yon bagay fèt kon sa parce que fòk yo traqué nèg sa yo ki di kon sa ke yo se gang lan. Alors yo pral déployer au moins 700 policiers pour population pour sonde a li même li capable gagner la paix. Est-ce que malgré que gen an pile moun ki a plainye et te gen yon commissaire police ki te la déjà mes amis yo révoqué et yo konnen. Et Premier ministre t'a pas fait un travail qui vraiment comme si rapide ensemble avec Paul Ménard qui était là déjà mes amis. Eh bien il a révoqué, il a mis en l'autre mon cher bagay ça lui fait un pile monde fâché parce que on te dit comme ça que Paul Ménard qui était dans poste là c'est pas travail, il pas de travail mais plutôt c'est équipement, il pas de gain pour le travail parce que pour faire genre de bagay ça yo faut qu'ou bien équipé, sous pas bien équipé ou pas de travail, il a dit comme ça que ou sont pas utiles ou sont pas yaya. Eh bien c'est ça qui arrive Paul Ménard mes amis. Eh bien yo fait changement ça et moun yo fâché en pile et yo fait qu'on est que dans changement ça yo regarder qui ça cap gagner. Et bien mes amis, entendez un petit coup de déclaration côté Premier ministre là t'a parlé de gang yo bien entendu mais gen en pile moun qui dit comme ça que mais est-ce que PM Garry Conille c'est un deuxième Ariel Henry qui vini là parce que chaque temps li gen un discours différent et nous toujours est gang yo a ferrayé zone quartier yo li te di la pran de kay en kay. Est-ce que zone en zone poko gen rien qui fait. En tout cas mes amis, moi même m'ap toujours dit nous ça n'ap tann, mais la seule chose nous pas vle tann tant kou pou attendre jan yo kon di la entendez avec en pile attention. Malgré tout ça nous senti nous pas quitter gang faire tourner gang pour nous combattre gang. On connaît message ça pas nécessairement pour message qui populaire même bien petit monde qui là. Nous fait pour nous prendre, nous fait pour mener la justice, nous fait pour mettre nous en prison, nous fait pour payer pour ça et au fait. Victime nous fait pour jeune institution. Mais les amis, nous pas connaître gang pour combattre. C'est ça l'histoire des centaines d'années d'histoire. On promet nous que la police pas l'accompagne, la police pas renforce. Deuxième même d'aimer dit nous en difficulté pour me café. Pour la police qui a fait intervention dans la zone antibonique, évidemment, j'aime ce que nous avons à nouveau une limitation de ressources, c'est déplacer pour nous déplacer, c'est boucher pour nous. C'est comme ça que nous obligés de travailler jusqu'à présent. Mais nous prenons disposition à l'avenir pour gagner 700 nouveaux policiers pour aller. En République Dominicaine, mes amis, c'est réel. On capable dire ça parce que moun yo pa ka vivre, moun yo pa ka sorti, yo pa ka aller dans travail, même nan konchou yo mes amis, yo campé machine yo pour regarder si pa gen haïtien. C'est une crise qui gen en République Dominicaine. Lorsque regardez yon maman
qui quitte petite la caille li gen droit quitter petit moun nan ensemble avec yon moun li al et à acheter un bagay li gen droit al nan market et puis immigration barrel yo prend ou l'op gade image ça qui a pire lettre la bay Guadio pour faire yo konnen ke li gen yon ti moun nan tete mon cher ça c'est déchirer li a déchirer corps ou pa gen mot pour dire encore sous ça et bien mes amis ou konnen Cléa li nan men haïtien si toutefois haïtien te konn sa yo vo yo pa dab jam kite république dominicaine fè yo pran humiliation nan yon état pareil alors m'a parlé de dirijan yo parce que nou konnen nou gen yon marché ki ouvri ant république dominicaine avec haïti li pa servi pour haïtien yo c'est république dominicaine seulement qui bénéficie de marché binational ça ouais avec marché ça yo té capable faire république dominicaine marché oui yo té ka faire au marché parce que nous-mêmes marché haïtien c'est nous-mêmes qui plus consommer produit dominicain yo ah ou pas de comme ça et bien avec ça nous té ka faire au chantage. Mais nous connaissons et dans politique Haïti, c'est une politique qui s'allie, on pas faire droite, on pas faire clean, on fait le façon yo vle mes amis, et bien c'est comme ça République dominicaine a mette pied sous cou Haïti pour le faire s'allie parce que ça cap passé là autant de audio comme ça que on a fait dialogue qui s'allie tout haïtien a fin passer misère touyé ou est-ce que ouais ba au coup de bâton. Ah, ça ou a kap passé là, haïtien passé misé en pile. Gen moun ki di kon sa ke yo pa jam met pye yo en République Dominicaine. Bon m'dou, ou gen droit et nan yon pays, OK, côté ou senti ou à l'aise, et soit ça m'dou là, insécurité a pas pour Haïti ou pas paix en rien. Nous songe moun ki te kon al en République Dominicaine, c'est moun ki te kon al nan barté yo, al travail. OK, c'est moun sa yo ki te kon al travail nan kan, ki te kon al travail nan banane, nan poule. C'est moun sa ou te kon joine ki al en République Dominicaine. Mais avec insécurité ou jwenn yon lot couche nan société civile la ki débarqué en République Dominicaine, ça fè ça. Yo gen yon ti moyen nan men yo, yo pèp yo pa kidnappé yo. Est-ce que ouais, yo gen bel ti kay yo, yo gen ti machine yo, ti travail yo nan pays d'Haïti, yo te capable vivre Haïti. Mais e kidnapping nan, lè ou fin kidnappo, y a boulot ensemble avec assiette plastique, y a fò passe misère et puis au moins un paquet de cob yo riné ou met sous li encore. Là ouais ça, eh bien ou dit comme ça que ou pas prêter ou pour aller en République Dominicaine. Eh bien c'est ça qui fait au jeune un groupe de monde à le vivre en République Dominicaine. Est-ce que ça me dit là? Mais ou même si ou pas dans situation ou pas gain pour dire ou pas jamais mettre pied au côté comme ça, c'est parce que ou pas dans situation ou pas dans le besoin pour te quitter Haïti pour t'aller faire un petit temps là. Et gain en pile monde qui joignent un souffle. C'est parce que yo té allé en République Dominicaine. Est-ce que ça me dit là? Mais ça qui fait ou Haïti dégénérer comme ça, c'est parce que pas gen gouvernement. Le par exemple, pas gen gouvernement dans un pays pour prendre une décision qui sont penser l'autre pays à penser de pays ça. Y a passé en bas ça pas de pied yo parce que yo pas prendre pour rien. Yo pas prendre pour rien, yo pas parler même chita ensemble avec ou qui ça on va le dire ensemble avec ou pas gen gouvernement. Donc, haïtien a payé ça yo fait. Gen an pile haïtien ki a parlé c'est parce que yo te mette tête yo dans la rue puis yo te rele à bas chaque président qui monte faut que rele à bas et bien ces résultats ça nous a payé journée jodi là oui c'est lui et bien mes amis vin gen un conseil là qui monte après et Ariel Henry qui peut après régler en rien dans tête pouvoir. OK, malgré l'ité là tout ça que t'a passé de République Dominicaine avec Haïti, li pa de chambre de dire rien, c'était bon ami République Dominicaine l'ité, ça pa te faire ni chaud ni fret. Eh bien mes amis, yo voye l'aller, vin gagner yon CPT pour régler sa fait élection. Franchement, m pa de chambre penser si président Edgar Lé, ça va le quitter tête CPA, non bagay ça va dans tête moi. Ça veut dire 9 membres ça qui là, yo gen pour passer comme président. Bagay sa mwen sezil mwen pa di chanm panse yon bagay konsa. Ouais, ansyen président Jovenel te di yon bagay, li te di konsa ke se zafè poche
yo ap regle nan zafè et transition. De pourtant de transition nan pays d'Haïti c'est l'argent. Oui, c'est ça le te dit. Et li dit kon sa ke bagay sa pa ka kombat li. Imagine ou bien président Edgar Leblanc fin passé, li kounya la li bay Leslie Voltaire passé kounya la, li la pou 7 mars 2025, après ça pral gon lot. Tout ça c'est l'argent qui a gaspillé. Pendant ce temps nous te ka mette tête nous ensemble pour nous te choisi yon président pour faire 18 mois pour régler élection dans pays d'Haïti. C'est ça qui fait où est Haïti mon cher avant pour le ranger à bon bah connait si ou même ou ka di un petit bagaille en dialoguer ensemble pour dire qui sont penser parce que moi bagaille vraiment noir en regarder comment cérémonie ça lui même il était déroulé dans village d'accueil en regarder dans un esprit de dépassement pour construire l'équilibre nécessaire au bon fonctionnement de la République et à la réussite de la transition, par consensus, adopte la résolution suivante. Article 1er. La présidence tournante est ainsi modifiée. 1. Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. 2. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Du 7 août 2025 au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. Article 2. Toutes les autres dispositions de la résolution relative à la prise des grandes décisions en date du 7 mai 2024, reste et demeure d'application. Article 3. La présente résolution sera exécutée aux fins de droit. Donnée au Palais national à Port-au-Prince, 4 octobre 2024, en 221e de l'indépendance. Par les conseillers présidents. La conseillère présidente Régine Abraham. Le conseiller président Smith Augustin. Le conseiller président, Louis Gérald Gilles. Le conseiller président, Fritz Alphonse Jean. Le conseiller président, Frinel Joseph. Le conseiller président, Edgar Leblanc-Fils. Le conseiller président, Laurent Saint-Cyr. Le conseiller président, Emmanuel Vertiller. Le conseiller président, Leslie Voltaire. À noter que le conseiller président, Edgar Leblanc-Fils, n'a pas apposé sa signature. Voilà, madame, monsieur, la lecture de la résolution ayant modifié celle du 7 mai 2024 relative à la prise de fonction des grandes décisions portant sur la présidence tournante. Il s'agit d'une cérémonie. Présidentiel et le nos coordonnateurs conseil, sont dit tout pour nous, tout le verre, pour nous assurer que la nouvelle page que nous tournons là, sont pages qui permettent que nous vivions la sécurité de la pays, tranquillité de la famille du pays d'Haïti et harmonisation entre différents parties prenantes qui n'ont pas quoi toi appeler là. Merci tout le monde. Gouvernement sans peuple, pas de conseil. Mais dans ce cas, nous qui êtes prêts, Bamkoui m'a installé les civils. Bamkoui. Avec tout partisan famille Lavalas qui là, je viens parler avec tout partisan président Jean-Bertrand Aristide, quel des partisans petit de Saline, tout peuple là qui là. Et monsieur Timmini nous là, c'est arrangement à faire là pour nous installer pour président Leslie Voltaire.
Parce que vous avez non, non. C'est président, le Sivolte, nous allons l'installer là. Je suis obligé de passer de côté nous pour me dire nous tête prête. Là où nous m'aider. Le Sivolte, c'est président Aristide ou m'aider. L'OMD président Aristide, c'est peuple OMD. L'OMD président Aristide, c'est peuple OMD. Eh bien, comment comprendre? Comment comprendre président Aristide, non conseil présidentiel, pour penser au monde capable de graser? Vous comprenez? Eh bien, dans ce sens-là, nous disons, faut que nous apprenions à respecter le leader charismatique là, qui est le président Jean-Bertrand Aristide. On apprend à respecter. Vous pouvez parler de vous casser. Oui. Président Jean-Bertrand, pour moi-même, moi, sont dérespectants. Sont dérespectants. Comment président Aristide. Nous sommes respectants. Comment président Aristide capable de faire un conseil présidentiel pour nous permettre pour tout consommer de ce conseil-là. Ça veut dire, vous n'avez pas respect pour l'idée charismatique-là. Comment ça va tout là? Dans ce sens, ça nous dit, nous allons les merder. Laissez-y voter là comme président, c'est président Aristide ou MRD, et l'OMRD président Aristide, c'est peuple ou MRD. Et bien c'est ça que fait là, dans le moment où on a parlé là, peuple a tête prête, et ça me sortit là. Je viens de dire pour me dire avec le peuple là, il mettre des têtes prêtes. Laissez-y voter, nous allons installer là, Kounia là. Et nous sommes aujourd'hui à protéger Agile. Nous ne pouvons pas parler de l'autre détail. Je ne veux pas dire, président Aristide, ouais, peuple à l'angle. Président Aristide, ouais, ministère peuple à passer. L'obligé de fouer même le pouvoir, il dit mettez Green Moon ça qui c'est le Sivolter. Eh bien, le sens ça, président Aristide, pas qu'à entrer dans le bagage pour jouer à jamais. Pas qu'à faire classe. Oui, à faire classe et conseil, c'est oublier ça. Nous avons fait. Nous avons fait. Vous et Gérald Gilles connaissent. Oui, nous avons fait carrière. Vous et Gérald Gilles connaissent. Vraiment, nous avons fait carrière. C'est président Aristide. Président Aristide dit conseil n'a pas classé. Il mettait le Sivolter, c'est fini. Nous connaissons Gérald Gilles, le Sivolter. Vous et le connaissez. Jodiala, l'OMRD, le Sivolte, là, c'est le peuple. Et bien mes amis, kounya c'est le moment pour capable garder exactement comment ça t'est dans Miragouane mes amis. Avocat yo pété des blousailles en tout cas, braille on s'est déjà compliqué dans pays d'Haïti, oui, tout côté, tout ça a fait faut que pété des blousailles. Pour arriver à la concrétisation de cette initiative, je réclame une parfaite harmonie entre les personnels administratifs et judiciaires affectés dans le dit tribunal au paquet et une franche collaboration entre les personnels des tribunaux des pères de cette juridiction, les membres de la PNH affectés dans la juridiction et l'OPC du bureau d'assistance légale et des organismes des droits humains des lieux. Si c'est au nom de la juridiction tribunal de première instance de Miragouane, par mon organe, je souhaite à chaque collègue magistrat, mesdames, messieurs du monde de la Bazoge, bonne année judiciaire 2024-2025. Que Dieu bénisse votre victoire et qu'il vous accompagne tous. Vive la justice, vive le pouvoir. Merci. Monsieur
citoyens du tribunal Jovenel Santamaguane, vu l'importance de cette audience, vu le respect adressé aux invités, dans le but d'aider à une meilleure compréhension de la situation, le ministère public, pour notre assurance de football, d'enlever la parole pour Matosier et de poursuivre. En élection des maîtres, dans un premier temps, pour te désigner en ce plénière, peut-être que tu participes dans l'élection, et tu es perdu en face de Tigino. Merci. C'est une population illégale. Et c'est des gens qui les ont déclarés. Nous estimons que beaucoup de populations ne peuvent pas connaître la parole ensemble. C'est pas la qui va créer un problème. Donc, je suis dit que c'est pas normal, c'est que ça a fait, je ne sais pas comment ça va finir. Donc, j'ai un souci que nous sommes dans l'audience, nous sommes sous la télé, nous demandons avec toi, nous disons que c'est dans les yeux de sagesse. Mais nous, est-ce que l'audience va finir? Il finit parce que, au dernier moment, il finit avant le commissaire jusqu'à l'endroit, il a fait un peu de prise de faute. Donc, il finit parce que le doyen a des déclarés que, et c'est sauvé. Nous-mêmes, ministère de l'État, nous sommes pas loyaux à Dubaï. Mais qu'est-ce qui a causé le problème, ça a causé la guerre? Parce que l'avocat aurait bougé ensemble pour qu'il y ait une solution. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il y a des élections qui ont été tenues. Il y a des avocats qui ont été blessés, il y a des avocats qui ont été blessés. Donc, c'est que son. Je t'ai parlé du vent pour que vous redorez dans un jeune baroza, mais le dialogue a conséquent la dernière. Donc, c'est bien important. Je dis à moi-même, pour mes journalistes, pour conseiller les deux Chita ensemble, pour une solution judicieuse et consciencieuse. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement du tribunal là, que vous avez compris ça? Donc, c'est rapide, vite. À vous casser, comment vous allez éclairer, je vais Chita tout de suite là pour que vous résolvez le problème là, pour que nous allons judiciaire ça, pour vous des succès. Et tout est, il ne livre pas nous. Et tout ça qui a empêché que nous réalisions pour la justice. C'est le problème qui déposé, nous n'avons pas cherché sur le déjà, pour va continuer à mettre le tribunal là. Nous tellement marché sur le soir, sur le dossier du ministère de l'État, il essaie de toucher chaque problème, ça a eu, et demander que chaque acteur ait une responsabilité conforme à la loi pour permettre que nous aboutissions à réussir et à l'éducation du ministère. Si vous mettez ça, il y a tous les acteurs qui contribuent dans chaque sénat là, dans la réponse, c'est que ça. Je pense que tout acteur judiciaire, il y a deux personnes. Conscience que la situation est difficile, que le système n'a pas beaucoup de problèmes. Donc, chaque responsabilité est bien formée. Les gens qui ont une responsabilité pour faire audience sont faits parce que les gens n'ont pas besoin de juger. L'intelligence pour la réunion à Gouane, les mettre à l'heure là pour que les gens qui n'ont pas besoin de soutenir le tribunal, si tu arrêtes tout, que vous allez juger. Que nous méritons la liberté, nous méritons la condamnation. Donc, je vous dis à la, conseil à la, chaque année, chaque monde pour la vidéo,
pour que tout le monde arrange la place, pour que le pays a marché. Merci. C'est par rapport avec devoir de conscience ça, magie en conscience, et devoir de prudence ça. J'ai été contacté depuis Paris par le conseiller président, monsieur Emmanuel Bertiner, pour être analysé le dossier. Les fins analysées m'ont dit que moi accepté, pour moi capable, il y a un symbole de porteur de la vérité, en tout cas en tant qu'auxiliaire de la justice, pour aider la justice vers la vérité dans le cadre de ça. Nous parlons de droit de but. C'est vrai qu'il y a des allégations qui reprochaient à trois conseillers, dont mon client, conseiller président Emmanuel Bertiner. Nous avons attendu que nous avons gagné, que l'ULCC a joué un rôle de vigile, même par prévention, pour ne pas aider les sociétés à venir en vérité dans le cadre de ça. Mais malheureusement, nous jouons une institution qui, par une proposition paradis, par exemple, sont une institution qui substitue avec toute juridiction qui gagne dans la chaîne pénale là, les tournées ont enquêteur, les tournées ont parquetier. C'est-à-dire que le parquet, c'est tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Lui, transformé en cabinet d'instruction, lui, cabinet d'infraction. Que beaucoup de gens connaissent des préambales autour de ça. Et l'ULCC est allé beaucoup plus loin. Lui, condamné et trois conseillers vont en prison. Donc, nous rejoignons un rapport, moi, il y a un rapport au jugement. Par respect pour l'ULCC à toute autorité de la dirigeante. Nous n'avons pas de devoir pour nous appliquer en défense de rupture contre l'autorité ULCCO, mais nous-mêmes, nous avons de devoir pour aider la justice de l'autorité. Pour ça, c'est peut-être ça que je vous dis. Nous déposer un peu de parents, si nous ne va mettre à la disposition un document récapitulatif dans une requête que nous déposer dans le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, une requête qui est 13 pages, qui aidait, en tout cas qui proposait, pour nous, Monsieur Emmanuel Bertiner, il proposait pour aider parmi à une vérité. Qui s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Bertiner n'est pas encore poursuivi par la justice, et on a qui a cheminé au parquet. Maintenant, c'est parquet qui va décider est-ce que lui-même, monsieur Emmanuel Bertiner, a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il n'a pas qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, mon principe, ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui gagne pour chercher la vérité en tout. Nous, il y a pour suivre l'ordre, il doit pour participer, ça veut dire la participation à l'enquête pénale. Il faut le participer, il faut le proposer pour dire, monsieur le commissaire du gouvernement, mes côtés pas orientés pour la vérité. C'est dans le cas de ça, nous déposons une requête par le biais de monsieur Bertiner, nous déposons une requête par le biais de son conseil, c'est moi-même, jusqu'à présent, en tout cas moi-même. Nous déposons une requête pour le capable de démontrer le parquet A, en grosso modo, mais qui pointe. Que nous voyons que qui a pas fait justice, qui a pas fait justice pénale particulièrement. Dans ça, nous relevons, nous faisons un résumé récapitulatif, que nous relevons 5 points. La première chose, c'est que c'est regrettable que l'USCC et ça sont faits, peut-être que sont faits, on fait d'annonce, nous avons fait d'annonce, pour côté nous, il va choquer tout le monde. L'USCC, le directeur général de l'USCC, était en conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier. On va expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêt s'explique par quoi? C'est regrettable. L'UNCC est mon avocat. Donc, parmi les deux, le directeur général de l'UNCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est expertise, firme d'avocat. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'a regardé sur les réseaux sociaux, et maintenant acte officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et cabinet ça, l'a publié des publications diffusées sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général, c'est pour le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général de l'USCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe acte tout? C'est un autre avocat, mon confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent. Ma présidente, encore pour qui je porte beaucoup de respect, c'est même Wilson estimé. Qui signait notre acte expertise, qui signait, qui constituait pour le cabinet Martine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans un état de droit,
même Maître Wilson estimé, mon confrère René, que je respecte beaucoup, c'est les mêmes qui constituaient pour Raoul Pierre-Litou dans le cadre de l'école de l'UFCCA. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'UFCCA aurait dû se déporter de ce dossier. Pour dire, écoutez, enquête n'a pas crédible encore. Le parler de crédibilité n'a pas dit que le directeur général aurait été sous-droit. Ce n'est pas ça que je dis. Parce que, il vient de un conflit d'intérêts. Et qui ça conflit d'intérêts? Le conflit d'intérêts, c'est les deux. Ou bien opposition entre deux intérêts. C'est deux intérêts opposés. Parce que le directeur général libre un intérêt privé par rapport à ce qu'il y a une collaboration libérale régulière avec mes personnes estimées, qui en opposition avec mon intérêt privé à moi-même client. Non, parce que le conflit d'intérêts qui a lieu, parce que le conflit d'intérêts par le conflit d'intérêts est d'ordre public. Le conflit d'intérêts, on y a, on y va dire, mais le secteur général est en incompatibilité. Il va avoir encore, mais non, ce n'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêts, le secret professionnel et le conflit d'intérêts s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le c'était un simple secrétaire qui est dans le cabinet Maître Hans Joseph, en fait, dans le cabinet expertisé Vimna, on simple secrétaire. Si simple secrétaire, ça c'était un proche, M. Raoul Pierre, automatiquement, M. Hans Joseph, Milou Joseph, est supposé déporter le dossier parce que le conflit d'intérêts a avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêts lié obtenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement, préliminaire de première instance, M. Lionel Constant Louvain, donc lui, représente en garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. Ça m'a dit quoi là-dedans? La compagnie qui connaît, qui maîtrise le même mieux passé à Bukayo, la question, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est donc public à l'encontre du directeur général de l'UFCCA, l'état d'estérilité n'a pas pris ses dossiers à examiner. Et là encore, nous relevons notre fait gagné, pas qu'il n'y ait aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Verdi. Pour qui ça? L'UFCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'il y a un échange entre Emmanuel Verdi avec M. Laurent Pierre. Alors que l'échange s'applique à lien, on échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, il dit aux gens que M. Emmanuel Ventilet te dit Raoul, moi je demande une recommandation pour me capable de marquer mot dans ta présidence BNCA. Si pas de demande de contrepartie, pas à gagner, pas de corruption. Et moi, de plus loin encore, ULCC, on pensait que faut ULCC, en tout cas, pas de mon expression que là, mais ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment l'UFCC fait dire comme ça que l'apprécier, et c'est grave quand même, l'a pas apprécié le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Ventiler. Il y a une carte de crédit qui s'allie. Donc l'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que la carte de crédit est octroyée avec, on s'est propriétaire de la carte de crédit ça. On a décidé, on dit qu'on se joue, que vous prenez toute la solide, que vous m'avez fait cadeau pour marcher avec. Donc c'est grave quand même pour l'UFCC prendre. Il y a un monde qui a un contrat de crédit. Que les remboursés, et d'ailleurs, il a été démontré que M. Ventiler, c'est les remboursés, comme il était bien prêté à, là où il n'y a pas même déposé pour censé, mais moi, c'est que il était fait comprendre du bien. Il était supposé faire une enquête dans fait là, il était fait avoir déposé propre sous quand il a dit M. Ventiler là. Malheureusement, que les remboursés ont bloqué toujours un gros bagage pour faire qu'il faut qu'on l'a encore. Donc, en résumé, pour question de cas de crédit, c'est qu'il s'agit de son crédit à la consommation. Que conseiller président Emmanuel Ventiler lui dispose de l'habilité pour le dépenser dans seul jour dans le lit, il a fait cadeau, donc on ne peut pas exercer aucun contrôle de son mode d'usage. Et là, nous ne voyons plus par aucune infraction pénale qui a constitué à l'écart de M. Ventiler. L'autre point, et c'est dans le même sens, nous voyons que le CCL y fait, ils ont s'annulé en tiers de pouvoir. Mais point qui est plus important, pas oublier que le dossier a été transmis au parquet, le rapport, il concernait trois conseillers. Mais en droit, on va appeler l'individualisation de l'affaire. Il sait qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Ventiler, conseiller président, lit nous condose qui dit social, il y a trois conseillers, puisque fait à lui-même l'IPA constitué de, pardon, fait constitué de acte de corruption à l'égard de M. Ventiler, qui s'en demande de partir, plus simplement, il sait. Je ne vais pas même aller anticiper son appréciation par la soudain des parquets. Moi, je suis sûr, je reste convaincu que le parquet va procéder, et ça, c'est ça demandé, parce qu'on s'en suit le dossier, à l'égard de conseiller Ventiler,
et par respect pour le paradis papier, pour lui-même, pour le classer sans suite tout dossier, ça nous paraît droit ça. Parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est client nous, nous connaissons, nous apprécions aussi, nous et que il n'y a pas fait aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça qui est plus grave, pour finir, l'UNCC s'est encore dit, même c'est lui qui confirme, moi je dis dans l'enquête, 13 pages là. L'UNCC s'est dit, M. Bertilaire, pas dans le deuxième compte, ça me l'a un compte dinatoire. Il n'a pas oublié que dans le rapport, il dit qu'il y a eu un compte dinatoire qui aurait été, en tout cas pas une priorité, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels. Il dit que c'est un compte dinatoire qui est organisé, qui a opéré des comptes de fêtes, de faire manger, etc. Et pour le monde, tes envies, t'as pas la main. Bon, bah, qui c'est pour l'UNCC, c'est son raisonnement qui est aussi facile. Si c'est une première réunion qui fait dans Oasis, M. Bertilaire, on va voir comment au monde, et c'est là encore que l'UNCC dit, on est un citoyen ou un individu qui va à l'encontre au monde de ce travail. Mais ça c'est clair. Parce que moi, ce travail, moi, en tant que président, moi, j'ai le droit de loisir. J'ai le droit de en tant que collègue, parce que M. Smith, au sein de son conseil président, l'illogé qui doit l'illogé dans l'Oasis, c'est normal que M. Bertilaire, en tant que conseil président, pour aller dire les mon cher on va en discuter autour de c'est normal que ce n'est pas grave que privé de loisir. Maintenant, tu as dit qu'il y a une déclaration de demande de consolidation de 100 millions de gouttes, pas de problème. Mais, moi, ils ont un petit basique pour l'UNCC cette affaire. Si tu as une demande de 100 millions de gouttes, tu es en présence de Bertilaire. Andy Bertilaire, peu importe que tu es là, demande des faits. Mais, si qu'on deuxième demande qu'à faire, non, il y aura une ordinée, on dîne à voir. Et dans le compte ça, il est dit, en tout cas, ils prétendent que bon, docteur Géragile, tu as insisté pour faire demande encore. Donc l'idée c'est parce que dans le premier demande, soit Bertilaire n'a pas même demandé même, soit que monsieur Raoul Pierre n'a pas même demandé même, parce que c'est demande à réitérer. Demande à réitérer qu'aille monsieur Raoul Pierre. Donc si il demande à réitérer qu'à Raoul Pierre, je veux dire, donc monsieur Bertilaire n'est pas dans le compte dans le deuxième compte, par comment que monsieur Bertilaire, dans la question de participer dans le pacte de corruption, il est logique. Ma réponse encore, monsieur Bertilaire était dans le premier rencontre. Dans le premier rencontre, ça, UNCC prétend qu'on a fait cela ou qu'on demande, qui défend une demande de 100 millions de gouttes. En contrepartie de mon promotion, en tout cas de reconduction de M. Raoul Bienvenu à la tête de la présidence de la BNC, en fond logique, effectivement, que demande en défaite. Mais si demande en défaite, par hypothèse, demande en défaite. Donc, si mon Dieu, c'est un mot de l'UNCC qui dit, ce n'est pas nous-mêmes, selon l'UNCC, l'UNCC a affirmé qu'il y a eu une dîner, qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y a eu une rencontre, il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Bienvenu à son domicile pour pouvoir finaliser la question de pacte de corruption. Mais bonne question pour l'UNCC, c'est à poser tête libre. C'est si première rencontre en défaite, demande en défaite, deuxième rencontre en défaite. Donc c'est parce que M. Raoul ne soit pas attendu et son problème n'est pas là du tout. Soit M. Raoul fait silence, soit pas de demande en défaite du tout. Maintenant, si demande en réalité, c'est parce que pas de demande qui va du tout, mais là où pas attendu. Mais M. Bertilaire pas attendu deuxième rencontre. Donc si effectivement tu demandes l'argent qui est fait, demande en fait, il fait en deuxième rencontre. Donc si M. Bertilaire pas attendu deuxième rencontre, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Bertilaire. Donc c'est tout ça, mais nous dit merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Veritéa et puis nous à la disposition de parquet pour nous capables d'aider parquet. Je vais Veritéa. Question. Commerce sanguin. Courant éthique et morale, parti politique, petite Dessaline, pas. Non, trafic organe. Courant éthique et morale, parti politique, petite Dessaline, pas dans 100 millions de gouttes BNC. Courant éthique et morale, parti politique, petite Dessaline, pas dans réunion Champrel avec Premier ministre. Courant éthique et morale, parti politique, petite Dessaline, pas non trahison avec CARICOM. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est une fierté et une grande joie pour nous de l'opposition plurielle de bénéficier en cet instant de votre pleine attention. Nous venons dire, je dis, pour tout haïtien, quel que soit côté au lieu de la planète, et pour toute notre famille, peuple haïtien, nous venons dire, yon seul bagaille. Nous venons dire, à partir d'aujourd'hui, pas gagner aucun pouvoir
dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, dans l'opposition plurielle, nous déclarons, aujourd'hui, pas gagner conseil présidentiel, pas gagner premier ministre. Et je paye deux seuls arguments pour ça. Pas gagner premier ministre, pas gagner conseil présidentiel, parce que ni premier ministre, ni conseiller, c'est même moi, pareillement, passé Bram, ma passé René, ils ont tout payé net année dans la corruption. Premier ministre là, monsieur Gary Conille, docteur Gary Conille, c'est patron, c'est chef corrupteur corrompu. Et maintenant, dans qui sens que nous dit Gary Conille, c'est patron, tout corrupteur, patron, tout corrompu. Parce qu'il y a une capacité pour corrompre sept conseillers. Conseillers, ça y est, qui étaient gagné candidat par eux. Ils ont chaque été un candidat pour premier ministre. Et candidat pour premier ministre, ils ont réuni les conditions, ils ont été qualifiés pour le poste là. Eh bien, Gary Conille a une capacité. Ils ont acheté avec l'argent. Ils ont acheté avec promesses, gros postes. Ils ont fait foyer. Candidat Payo dans la poubelle. Il fallait sacrifier candidat Payo pour être capable de nommer lui-même premier ministre, tandis que lui-même n'a pas réuni les critères. C'est le dernier monde qui a le premier ministre dans le contexte là, puisque il y a des soupçons de corruption sous l'eau. Même lorsque vous avez acheté un juge, fait un juge là, cassé mandat derrière là, mais le juge là a été soin pour dire c'est une décision provisoire. Vous dites toujours l'échec du droit est provisoire. Le juge l'a dit son décision provisoire, ça veut dire qu'il y a un autre juge capable de réactiver le mandat. Donc, soupçon corruption toujours là. Et nous tous connaissons l'argent qui gaspille dans le tremblement de terre, dans ce IAH là, pour qu'on jamais éclairci. Donc, monsieur Gary Conille gagne soupçon corruption sous dol. En plus de ça, il y a un monde qui passe 10 ans en dehors pays. Plus que 10 ans en dehors pays. Qui coupait net la réalité, qui était désintéressé. En rien qui passé dans le pays, pas intéressé. Donc, moun ça n'a pas été capable de finir. Et premier ministre, et puis pour que des sept conseillers, ils ont tous voté à l'unanimité. Ça veut dire que c'est un grand corrupteur. C'est un monde qui a acheté moun. Oui, on a dit tout ça. Alors, nous pas capable de dire pour moun ça, pour le capable de rester dans tel pays. Donc, les corrupteurs, les corrompus, et monsieur qui prend comme et qui prend promesse, poste dans le même côté là, il y a même tous ces corrupteurs, il y a même tous ces corrompus, donc sous dossier corruption, l'opposition plurielle là, déclarée que Mounsa n'a pas existé encore. Mounsa n'a pas dans tête pays encore, pas de pouvoir dans tête pays, et c'est nous-mêmes qui avons des responsabilités. Je vous entends le professeur Marc-Antoine Destin se dire là, pour nous capables. Et combler vide là. Pour le moment, pas aucun monde dans notre pays. Deuxième argument qui fait dire que ça n'a pas existé encore, eh bien, c'est parce que bon, excusez-moi, nous avons dit que tout ça va rien. Il ne faut pas remettre rien. Six mois, je dis après six mois, conseil présidentiel là, plus que 300 jours, premier ministre là, on n'a pas besoin de nous détailler, nous tous nous comprenons que la situation vient plus mal. Situation vient empirer. Donc, c'est vient empirer. Qui s'est fait là? Donc, nous n'avons pas besoin. Il n'y a pas gagné qu'il y a réglé pour nous à partir de Jodia pour opposition plurielle là, pas gagné premier ministre, pas gagné conseil présidentiel. Mes amis. Mais, peuple là, mettez pied dehors. Il n'y a pas gagné plus bagaille. Message à ça. Clair, c'est ça que nous venons dire. Jodia, pas gagné premier ministre dans le pays là. Pas gagner un conseil présidentiel dans le pays. Et c'est nous-mêmes, dans l'opposition plurielle là, qui prenons combler vite là. Merci. Nous avons constaté que nous avons constaté retard, parce que nous avons peine recevoir discours égal de l'offre hier soir sur l'histoire. Et si nous devons l'aider à côté, pas de côté l'aide, même tous les deux dans la donne. Et nous sommes contents que nous avons dit que nous avons plutôt dit pas arrivé, parce qu'on connaît Edgar Lundin, qui est mon idée, qui parle avec beaucoup de globes la ville, parce qu'il est sale qu'on lit en disant l'homme est sale là. Non, justement, mais pratiquement, nous avons fini de dire tout, dernier parole, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire.
c'est que c'est tout mal, mal propre, t'es à l'eau, les capes, t'es à l'eau, maintenant, c'est eux tout qui vous retirer par 2 minutes. Allez, 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 chercher, conformément à la constitution pays, voilà. Il y a une unique juge qui était dans le cours de cassation, qui était ligne droite, homme droit, respectueux des normes, qui pas 20 têtes ni moyens, qui était. Nous mettons cité c'est l'histoire de l'autre, maître Barthélemy Altenor, pour installer comme président de la République. Il dit clairement, il va signer l'obéit que tu as pour te mettre les civiles là. Alors, question quand même là, nous voulons faire appel sur la guerre à toutes, nous au nom du peuple haïtien, au nom de l'éducation de l'autre, au nom de la vie dans la cour qu'on connaît. Le peuple haïtien, ça veut lier, ça veut être toujours lié. Famille, la croix, le petit monde qui sortit dans la croix, le tout le petit monde qui sortit dans la croix, était tête droite de la vie, puis pas j'en fais rien qui mal, rien pour avilir. Nous disons que 10, 9 conseillers plus, le premier ministre, qui, avec toute l'équipe avec toi, qui vend une tête, ils font 20 têtes, et puis ils créent le droit, ils ont arrangé le droit, ils ont pris le droit, ils vendent Haïti, et ils vendent tout Haïtien. Nous disons, nous écrit Gallo Berli, ils ont fait la page de monter, pour te distribuer par eux. Que vous avez droit à vendre tête, c'est pour vous. Mais vous avez droit à vendre Haïti, parce que Haïti n'est pas pour vous. Et Haïti, vous avez droit à vendre tout Haïti, parce que Haïti n'est pas pour vous non plus. Alors là, il arrive que on veut rappeler que l'heure en Haïti, dans Haïti, que nous-mêmes nous grandissons, l'homme pour nos familles, pour faire respect à nos familles. Et là, vous avez du côté de nous. C'est une multitude de monde. On a donné notre marque de destin, on a donné destin, nous accidents, nous qui n'avons pas voté. Dites la cougne, c'est pas 5 000 nous avons pris la même. Non, mais il y a. On a que non, on a salopé, on a pas proposé. Est-ce que Edgar Leblanc l'a ajusté parce que pour famille Leblanc, pour sauver nos rues. Smith Augustin, est-ce que Augustin pour sauver nos rues? Eh bien, nous crèvons le nom à vos soeurs. Et pour petit, pour madame, pour toute famille. Louis Gérald Gilles, est-ce que pour famille Gilles, quand on a monsieur Gilles là, est-ce qu'on accepte que Louis Gérald Gilles a salé nos rues? Puis Jean, est-ce que quand on sortit, il y a un peu de gens qui ont un bon côté. Mais est-ce que Jean a accepté le compte sale, le compte sale, le mal bon côté? Laurent Cécile, Laurent Cécile, on va grand goût, pour qu'il soit sale, le mal bon côté comme ça. Emmanuel Vertilaire, côté Vertilaire, pas bien encore, c'est vous seul? Comment on fait sale, le mal comme ça? Leslie Voltaire, côté Voltaire, tout le monde connaît Leslie Voltaire, battez grand goût. Pour qu'il soit sale, le mal bon côté, ça. Régine Abraham, côté Abraham, au centre de condition, pas de monde comme ça. Frinel Joseph, côté mon gars, il n'y a pas de condition encore. Non. Nous disons tout le monde, il y a qui n'a pas de condition. La Guébière. C'est fini, la Guébière. La Guébière. La Guébière. La Guébière. La Guébière. Si vous voulez faire un dernier geste valable, c'est pour tous ensemble. Démissionner. Demander, nous sommes démissionnés. Arrêtez-vous. Directeur général de la police, et cherchez, commandant chef de l'armée, c'est lui qui est responsable de sécurité, pour enlever la sécurité à seul monde qui a le droit, constitutionnellement, pour nous pouvoir qu'on y a, pour enlever la sécurité à mettre, barrez-vous à l'honneur, pour qu'on installe le communauté, parce que tout l'espace est vide, pas qu'il y a encore, c'est lui seul qui a le droit, et comme c'est lui seul qui a le droit, je vais vous retrouver, mais je vais vous parler, moi je ne vais pas vous parler non plus, c'est quand même le droit, et puis nous ne pouvons pas la ou quoi, mais pas gagner un et l'autre. Il faut que tout de suite, vous placez le juge de la Cour de cassation et un droit qui est seul pour le moment de deux à la tête du pays pour être capable de commencer à redresser, faire appliquer la Constitution et la loi. Pas gagner d'autres, c'est soit que vous êtes bien dans mon pays.